33e sommet de la SADC, les dossiers Madagascar et RDC discutés. Les dossiers Madagascar et République démocratique du Congo seront examinés et discutés au 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, officiellement ouvert aujourd'hui dans la capitale du Malawi, selon la presse malawite. D'après la presse locale, en effet, le dossier Malgache a été soumis hier au sommet de la Troïka, de l'organe politique de défense et de sécurité de la SADC, présidé par la Tanzanie. Aucune information n'a cependant filtré des préparatifs de ce sommet, qui devra finaliser un rapport final à présenter aux chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale. En ce qui concerne les arriérés financiers de la SADC, envers ses membres, la Grande Île en est apparemment épargnée, à en croire les récentes déclarations du docteur Thomas Salomaou. En effet, à l'occasion d'une conférence de presse, le secrétaire exécutif de la SADC a souligné qu'à l'exception de Madagascar, tous les membres de la SADC devront régler leur arriéré auprès de l'organisation. D'ailleurs, ce point d'ordre financier sera également discuté à ce 33e sommet de la SADC. Les présidents sud-africains ainsi que les délégations tanzaniennes et namibiennes se sont réunis hier à Malabo pour préparer ce sommet qui sera clôturé demain 18 août 2013.